Nul comme Adorno n'a su pointer la parenté stylistique de Hölderlin et du premier Hegel. Nul n'a été aussi sensible à un certain prosaïsme de Hölderlin et à ce qui apparente le phrasé dialectique au mode d'exposition par thème et variation de la grande sonate ou de la grande symphonie beethovenienne. Il y a pour Adorno une écriture philosophique, poétique, musicale, du spéculatif. Et l'impressionnant chez Adorno est qu'il n'en reste pas là. À aucun moment, il ne se contente de rabattre Hölderlin sur une sorte de hegelianisme inabouti. Ce qu'il vise au contraire, et c'est là sans doute que se décide la surprenante convergence de son propos avec celui de Heidegger, c'est le moment de la rupture. Ou mieux, de la mise en suspens, dans Hölderlin, du spéculatif. Ce qui l'intéresse en réalité, même s'il ne le thématise pas systématiquement en ces termes, c'est la césure. Autrement dit, puisque dans Hölderlin le mot en implique le concept, le tragique. L'analogon, qui permet de comparer la philosophie à l'écriture poétique, c'est la musique. La musique de type beethovenien, dans laquelle la réexposition, c'est-à-dire le rappel des structures thématiques exposées précédemment, veut être dans l'idéal le résultat du développement, c'est-à-dire de la dialectique, fournit sur ce point un analogon qui dépasse la simple analogie. Mais ce que l'écriture musicale accomplit, mesuré à l'aune de la syntaxe spéculative, si c'est bien une synthèse, cela reste une synthèse, dit Adorno, non conceptuelle. Le médium musical interdit par définition l'accès au concept, au sens articulé et réfléchi. De même, dans sa différence affirmée à la philosophie, ce que tendre d'atteindre la poésie de Hölderlin, c'est une telle synthèse non conceptuelle. La visée dans Hölderlin est d'ordre musical, mais ce faisant, la poésie va contre son médium, le langage, qu'elle partage avec la philosophie et qui est l'élément par excellence du concept, de la synthèse conceptuelle. La synthèse dès lors ne se fait pas. L'opération dialectique spéculative s'inachève et se paralyse. D'où la rupture syntaxique, comparable à celle qui affecte traverser l'épreuve du langage, Fidelio, Missa Solemnis, 9e symphonie, la dernière musique de Beethoven. Bref, les ultimes variations, sonates et quatuors. Thank you.
effet d'une telle rupture, la substitution à l'enchaînement dialectique de la juxtaposition et de la disjonction déjà analysée et qu'Adorno pointe sous le concept de parataxe. Mais là où Heidegger réfère la syntaxe disjonctive de Hölderlin au grand style contrapuntique et à son organisation profonde, Adorno, plus attentif à la négativité, met l'accent sur la désarticulation de l'écriture de Hölderlin. Si fugue il y a, ce serait en ce sens plutôt de celle dite grande fugue du final du 13e quatuor. Son Hölderlin est en somme celui de la déchirure non cicatrisable qui écarte, au lieu même de leur adjointement utopique, philosophie et musique, art et pensée, et qui subit jusqu'au bout, jusque dans son écriture, la loi sans loi de cet écartèlement.
Thank you.
Thank you.
Thank you.